c'est le moment triste. Oh, je sens qu'il va mourir. Il est tellement mort. Si c'est pas maintenant, ça va être dans 5 heures de jeu. Et on va voir qu'il a été tué ou quelque chose comme ça par les moissonneurs. Ah non, ça va, on dirait qu'ils vont... Oh, les gamins! On dirait qu'il va bien. Comme quoi, elle a bien fait de pas m'écouter. Oh, sa mère! Oh, ils sont tous morts. Oh, là, ouais, ouais, non, ils ont trop montré pour qu'il les tue pas. Il la regarde pas comme un con, vas-y, cours, t'aurais vraiment dû me suivre, gamin, t'aurais dû me suivre. Quel gamin, quel con. Ouais, ils vont tous crever. Anderson, le gamin, tous. Ouais, ouais, ouais. Oh, oh, voilà le gamin. Voilà, le gamin, il est mort. Le gamin, il est mort, ils sont tous morts. Bon, je crois qu'il est temps pour moi, les amis, de continuer notre petite aventure. Allez, c'est pas mon gamin, c'est pas mon problème. Et je sais pas pourquoi, c'est la voix que j'ai décidé de donner. La hache, Shepard. Heureusement que je dois pas vivre de ma voix, sinon... je serai très vite au chômage. Par contre, la cinématique est d'une beauté. Ouais. On dirait que la Terre se fait défoncer de partout. Je veux dire, est-ce qu'on aura vraiment le temps d'aller demander de l'aide au conseil? Ça s'appelait quoi? La citadelle, pardon. Oh ouais, non. Hardcore, quoi. La Terre ne va vraiment pas survivre à ça. Ok, c'était la fin du jeu. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos sur ce jeu Mass Effect 3. C'est la fin. Bientôt, on verra les noms des développeurs. Allez, salut tout le monde. Enfin, peut-être qu'il va mettre un casque et va cacher sa face de cul. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ce bordel? Où est Anderson? Et où on va? Monsieur Musk n'est pas content. Hé! Hey, on s'en va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je le crois pas, il ne dirait pas de partir. Ah ouais, il ne dirait pas? Je suis le boss, tant que tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Il comprend bien la situation. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. J'aurais préféré que tu dises quelque chose comme moi. Alors déposez-moi à la gare routière la plus proche, parce que je... Assez, lieutenant. Vous n'êtes pas d'accord, on a compris. Mais on n'est pas en démocratie. Non. On va à la citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Putain, sa gueule devient encore plus horrible. Quand il fait la gueule. Joker, je pensais que c'était pas possible. En chair et en os, j'ai une oui, Joker, je l'aimais bien lui. Passez-le-moi. C'est qui lui? Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le conseil. Pas de problème. Oui, chef. Il faut que vous alliez sur Mars. On a fouillé les archives protéines avec votre associé, Liara Tsoni. Elle, par contre... Vous trouvez un moyen d'arrêter les moissonneurs. On doute la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Enquête terminée. Joker, cap, droit sur les archives de Mars. Ok. Donc on dirait qu'on va se diriger sur Mars, pas de problème. Vous êtes malade. Pourquoi Mars? Qu'est-ce qu'il pense qu'on y trouvera? Je ne sais pas, mais si ça peut nous faire gagner. Il mérite le gros. Préparez-vous. Enfin, le gros, le muscle, monsieur muscle. Chuck Liddell, non. Ouais, on dirait... Est-ce que là, on est en train d'aller à Mars ou on est en train d'arriver? Non, on doit... Ah ben non, on est arrivé à Mars. Elle a une sacrée couleur, Mars. On dirait une quantité de merde impressionnante étalée sur toute la surface de... C'est une orange marronâtre. Enfin, qui suis-je pour juger une telle planète? Oh, ça c'est comme... Ouais, les véhicules... Ouais, je me rappelle pas de leur nom sur les Mass Effect 1 et 2. Joindre Mars sur des canaux sécurisés. Aucune réponse. Oh, c'est lui, Joker. Des signes d'activité des moissonneurs? Ah non.
Négatif. Idéa ? La base semble alimentée. Ses occupants ont peut-être été évacués. On le saura bientôt. Ah, il a mis l'armure. Soyez prêts, au cas où. Ashley avec le casque. J'ai compris. Normandie terminée. C'est parfait. On y est presque. Allez, voilà, parfait, il a mis le casque, on va pas voir sa face du cul. Non mais graphiquement, si vu, il en jette. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il fonctionne sans problème dans PC. Et pourtant, je suis plutôt à fond dans les la configuration, je veux dire. VS1, petite navette. Toujours aucun signe de la base, mais une grosse tempête vient sur nous. Ah, c'est cool. On a combien de temps? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu? Ok, je pense que là, tout le monde est content. Il a mis échappe et choisissez un commando pour... Ok, donc on est passé. On est déjà au niveau 3, c'est parfait. Et en plus, il a mis un casque, donc je pense que tout le monde est content. On va cacher cette horreur. Journal, non, c'est pas ça que je voulais faire. Commando, donc c'est commando. Ok. Donc j'ai 5 points, je dois aussi leur faire passer de niveau. C'est quoi ces symboles? Je me rappelle plus. En ce qui me concerne, télékinésie, je peux pas. Pourquoi? Nova, je peux pas. Oh. Comment je fais tout ça? Est-ce que je dois cliquer sur développer? Oui, c'est développer. Mouvement en train de paniquer une cible de 15%. Donc je les brûle. Contre la santé, ça fait plus de dégâts en fait. Et ça augmente aussi. Ok, c'est intéressant tout ça. Munitions cryo. Gèle un éclair des ennemis non protégés. Ralentit les autres. Ok, développer. On va avoir plus d'infos. Augmente les chances de geler. Je préfère les autres pour l'instant. Bien que peut-être ce serait pratique pour le crowd control. Ah, d'accord. Donc, ça c'est le corps à corps, je crois. Je crois, je n'en ai aucune idée. On va vérifier les autres. Onde de choc. Renverse une rangée d'ennemis sur une onde de choc développée. Dégâts, force, rayon. Donc ça, je les balance tout simplement. Maîtrise de combat. Devenez un expert tacticien dans le jeu de manière. Ça c'est intéressant. Bonus d'encombrement. Parfait. Bonus aux dégâts de pouvoir. Bonus dégâts. Bonus de réputation. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien tout ça. Donc ça me donne un bonus en charisme, ça c'est les dégâts. Ça me donne que dalle. Ah non, ok, d'accord. Nouveau coéquipier, ok. J'en ai rien à foutre de mes coéquipiers, donc ouais. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Et la dernière, athlète, vous prenez du muscle et devenez un adversaire redoutable au corps à corps, augmente les dégâts au corps à corps. Ah d'accord, c'est une classe quasiment faite pour le corps à corps. Je sais pas si c'était un bon choix. On pose un bonus de santé de barrière. Je sais pas si c'est le même. Bon, tout d'abord, j'aime bien ces munitions là, donc on va se spécialiser dessus. Ça me coûte 3 points, sa mère, c'est cher. Ouais, mais je vais le prendre quand même. Je fais comment? Ah, il faut que je prenne d'abord ça. Ok, donc ça attendra avant que je prenne l'autre. On va mettre... athlète. Bonus à la santé, bouclier. Maria Myotique, et je pense qu'on va faire une maîtrise de combat rapprochée. Bonus de réputation d'encombrement, c'est parfait. Ok. Donc, j'espère que je fais pas des conneries. Au pire, si vous avez des conseils ou autre truc dans le genre à me donner, n'hésitez pas. Fortification, c'est quoi? Vitesse de rechargement. Vous savez quoi? C'est exactement ça que je vais faire. Ça a l'air bien, j'ai pas envie de me casser le cul pour maintenant. Ashley. Tir percussif officier de l'Alliance. Ça c'est intéressant. Tireur d'élite, améliore la précision, la cadence de tir de l'arme. Oui, je pense que
Grenade Inferno. On va lui garder 100 points pour après. Ok. Donc on va continuer notre petite escapade. Concentration 2 sur 6. Je sais pas c'est quoi. Oh, j'ai débloqué une arme. Comment je change d'arme? X. Ça c'est quelle arme? Comment je... Y'a pas pause ou quelque chose dans le genre? Bon, c'est pas très grave. Allons-y. Putain, c'est pas une grosse tempête. C'est un putain d'ouragan. Oh sa mère. Allez lieutenant, on a connu pire. Ça peut tout de même nous tuer. Je m'en fais plus pour la Terre. Oh mais vous avez vu ça? Cette base où personne ne répond. Ta gueule Ashley. Vu comme ça. Wow, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, allons-y. Je sais même pas c'est quelle arme que j'ai. Le flingue. Là, c'est le snipe. Je sais pas. Enfin, bref, on verra plus tard. Ok, donc on doit rentrer. C'est par où? Ah, wow, wow, ok. Qu'est-ce que c'est? Sniper. Ok, modifier l'arsenal. Fusil à pompe. Ah, c'est un fusil à pompe que j'avais. Fusil de précision, fusil d'assaut. Je voudrais voir c'est quoi. Ah voilà. Mantis, point, ok. Je peux voir que 3 armes, c'est chiant ça. J'aurais bien prendre le sniper, mais j'ai peur de le regretter. Bon, vous savez, c'est le début, je peux pas trop regretter quoi que ce soit, j'espère. Ah d'accord, c'est donc Ah non, en fait, j'ai tout ça. Oh, ok, donc pas de problème, oui. Ok, donc laissez tomber, confirmé. J'avais mal compris. Attention, c'est... Qu'est-ce qui... Quoi? Pourquoi vous hurlez? Par ici, Alliance. Sergent Reeves. Il n'a pas l'air de s'être défendu. Ça tourne pas rond ici. Il faut faire profil bas et comprendre ce qui se passe. Bien reçu. Ok, donc allons-y. Je dois aller au complexe de je ne sais quoi. On dirait qu'il y a du monde. Oh! Bordel! Ils les exécutent. Ça, c'est le mage gauche pour choisir. Ok, plutôt shift. Ouais, bon, ça revient même. Ah, d'accord, donc c'est là où je choisis les armes. Tiens, on va prendre le sniper. On va essayer ce que ça donne. Ok. Oh! C'était beau à voir, et on va se cacher là. Va voir ailleurs si j'y suis. Ok, ils sont où? Je vais voir que dalle. Ok, deux secondes. Vous avez dit que j'étais mauvais avec le sniper. Ok, vous allez me donner 2 minutes. On va prendre le shotgun. Cache-toi, tu veux? Cache-toi! Ah! Ok, ça c'est mal. Vraiment mauvais début. Bien sûr que je suis trop loin. Je vais quand même essayer de foncer. Enfoiré. Oh la bombe! Oh, ça serait con de. Fonce, 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 fonce. Comment je me soigne? Quel début de merde. À force de vouloir faire le malin, j'ai besoin de soins. Tant pis, on va y aller. Fusil d'assaut. Déjà, ça va bien mieux. Non, arrête de faire ça, tu veux. Quel début merdique. Bon, c'est pas très grave, vous m'excusez, je voulais... Wow, y'a quelqu'un? C'était des hommes de Cerberus, pas vrai? Ils en avaient l'air. Que fout Cerberus sur Mars? Bonne question. Vous ne savez pas? Je suis plus avec eux, si c'est ça que vous demandez, H. Non, mais le problème, c'est qu'il y a une organisation terroriste qui infiltre l'un de nos centres de recherche. Je pense que le soupçon n'est pas une réaction excessive. Ok, très mauvais choix pour le nom que j'ai pris. Attention. Je m'appelle H et H s'appelle H elle aussi. Il est vraiment pas mort. Ok, cours, 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 cours. Voilà. Où est-ce qu'il est l'autre?
semble pas être venu en force. Non, juste quelques véhicules. Ils doivent avoir reçu de l'aide, de l'intérieur. C'est probable. Il faut bien plus d'hommes et de puissance de feu pour prendre cette planète. Ah bon? Pourquoi? Shift, je vais re-essayer avec le shotgun. C'est pas ce qu'il y a de plus judicieux, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon... Commandant, vous n'aviez pas envoyé balader Cerberus après avoir bousillé la base des récolteurs? Si, c'est bien ce que j'ai fait. Une chose est sûre, ce ne sont pas les amis de l'Alliance. Ça... Ok, donc comment on ouvre ce truc? Shepard, je veux...